Salut à tous. Vous le voyez sur ces premières images, les deux équipes vont évoluer dans des conditions idéales aujourd'hui. C'est Hervé Bateau qui vous parle. J'aurai à mes côtés, comme toujours, Pierre Ménès. Au menu, c'est un match de championnat. Anderlecht contre la Gantoise. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points, point barre. Voici la composition de l'équipe locale. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. On a clairement affaire à une équipe qui n'hésite pas à aller presser. Tu t'attends à quoi, Pierre ? Ce que tu viens de dire, Hervé, c'est une équipe qui aime avoir le ballon et surtout qui cherche à le récupérer dès qu'elle le perd. Enfin, je dis ça, je t'apprends rien. De toute façon, tu sais tout. Tiens, Pierre, ça fait un petit moment qu'on a eu l'arrêt Bosman. On n'a pas soufflé les bougies quand même, mais c'est vrai que c'est un truc qui a complètement bouleversé le monde du foot. Hein. C'est vrai que ça a tout changé dans le marché des transferts maintenant. Je pense que si tu demandes à un jeune qui est Bosman, personne ne saura te répondre. Ah bah c'est sûr que le joueur, en tant que joueur, il a pas laissé une grande trace, mais voilà, de ce point de vue-là, on vous expliquera un jour ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu long là. Voilà. Adrien Trebel, Georges Kellen. Un duel pour la récupération du ballon. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Allez, pour qui ce centre ? Le gardien qui dégage son camp des deux points sur ce centre. Lucas Mecha. Adrien Trebel. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Lucas Mecha. Fallait le récupérer, hein, ce ballon. Attention, hein, s'il le perd celui-ci. Ouais, ça presse haut, attention à ce ballon. Yaremchuk. Petit au feu. On va laisser jouer, avantage. Ouais, c'est bien arbitré. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. En profondeur. Ah, jolie protection du ballon. Bien chercher quelqu'un en premier poteau. Et la bonne anticipation sur ce centre. Georges Kellen. Bercharen. Lucas Mecha. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Lucas Mecha. Oh, la belle passe. Bon centre dans la surface. Allez, touche. Adrien Trebel. Il est bien placé, peut centrer. Ouais, il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Sven Kums.
Il porte le ballon. Il donne son ballon. Ouais, il a le temps de centrer. Ouais, la bonne circulation du ballon. Pour un équipier au second poteau. Ouais, le gardien qui s'impose sur ce centre. Sven Kums. Odjidja au feu. Sven Kums. Oh, un cadeau. Lucas Mecha. Adrien très belle. Il veut garder son ballon, il le protège. Allez, ça joue vers l'avant. On perd de la balle. Ouais, faute. Faute mais pas de carton. Avertissement verbal tout au plus. Sacrée frappe, elle passe pas loin du cadre. Non, non, ça passe même tout près. Ce ballon qui n'inquiète pas le gardien finalement. Ce coup franc qui est trop enlevé. Pour l'instant, on a du mal à voir comment ces deux équipes vont pouvoir faire la différence dans ce match ou au moins marquer un but. Il faudra d'abord qu'elles se créent des occasions. Sven Kums. Ah, elle progresse bien là. Une phase de possession en attendant la faille. Yaremchuk. Allez-vous venir. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Oh oui, encore une bonne passe. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Adrien très belle. Lucas Mecha. Heureusement qu'il était là. Laurent de Poitre. Ça, c'est un ballon donné à l'adversaire. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. On entre dans la zone dangereuse. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match, où les buts manquent cruellement, hein, 0-0 pour le moment. Une première période à l'issue de laquelle rien n'est fait, hein, pour le moment. Non, rien n'est fait. Un score de parité qui ne surprendra personne. Allez, voyons le côté positif du truc, il y a encore du suspense. Seconde période, il peut encore se passer plein de choses, hein, Pierre. Ah, tout dépend de ce qu'ont décidé les entraîneurs, hein, puis aussi de la fraîcheur des joueurs. Odjidja au feu. Sven Kums. Laurent de Poitre.
Les passes qui s'enchaînent en espérant trouver l'ouverture. Sven Kums, la remise directe, c'est bien vu. La bonne protection du ballon là, bien campé sur ses jambes. Ballon qui est sorti en touche. Ouais, c'est dévié le ballon qui sort. Lucas Mecha. Encore un bon ballon. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Ça n'ira pas plus loin. Sven Kims. Otidja au feu. Un petit peu d'espace devant lui. Le centre qui est contré. Ouais, parfait le tacle et le ballon qui sort en touche. Ça s'agite hein, sur le banc de touche. Plusieurs changements à venir. Niklas Dorsch. Chercher une ouverture, bien sûr. Ouais, position de hors-jeu, finalement, signalée par l'arbitre. Otidja au feu. Ouais, il lui donne carrément. Adrien Trebel. Abdoulaye Diaby. Vercharen. Le long de la ligne de touche. Il porte le ballon. Il va pouvoir relancer maintenant. C'est parfaitement fait. Niklas Dorsch. Otidja au feu. Belle séquence de conservation. Et ils attendent le bon moment pour mener leur attaque. Il va y avoir un remplacement. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Conserve bien son ballon. Il se balade même. Hein. Quel talent. Ce sera un corner. Et ça peut permettre à cette équipe de virer en tête. Si elle marque, attention. Du mouvement au bord de la touche.
Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ça a été touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Otidja au feu. Voilà, ça va être intéressant de voir le ralenti parce que le hors-jeu ne paraît pas évident du tout. Ce ballon qui n'est pas donné au bon moment, on le voit sur ce ralenti, mais bon, il n'y a pas hors-jeu de 15 mètres non plus. Hein. C'est un adversaire qui récupère cette passe. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Allez, capital, hein, cette attaque dans un match aussi serré. Le ballon qui est sorti, sortie de but. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui ? Francis Amouzou. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Ouais, défenseur qui enraye cette action. Oh, c'est un poison, la défense qui ne pourra pas le reprendre. Oh, bien joué, c'était chaud, il a dégagé. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Attention à cette occasion, ça pourrait bien être la balle de match. Il centre vers ses partenaires. Mais la bonne sortie du gardien. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Allez, une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Il progresse vers le but. On s'approche de la zone de vérité. Ah oui, la bonne passe. Très bonne intervention. Bien vu, c'est pas terminé. Fin du temps réglementaire. Est-ce qu'on va avoir droit à une prolongation ?